Bah comme ça, on va essayer l'arme. Je vais voir ça. Ah non. Si? Oh! Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh là là, tout ce qu'il y a là. Mais c'est une décharge ici. Les amis, nous voici de retour sur la suite de Zoom Percé. Ouais, je sais pas si je le prononce bien, hein, encore une fois, mais bon. Là, on s'en fout un petit peu. Donc, j'ai voulu continuer un petit peu ce jeu pour voir un petit peu ce qu'il a nous proposé. J'ai trouvé quelque chose un petit peu d'intéressant malgré le côté pas graphisme en général. L'extérieur, c'est bien, mais c'est bien et c'est pas bien. Il y a vraiment l'extrême, quoi. Donc on va voir par la suite parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le fait de se balader en train, d'améliorer le train pour nous faire cette fortification. Donc je reprends tout simplement où on en était. Hein. Vous vous rappelez, j'ai vu la cascade. J'étais voir de l'eau. On ne peut pas boire l'eau, parce que curieusement. Alors j'ai vu qu'il faut que je bois, que je mange. Donc on va faire ça tout de suite. On appuie sur G et on va regarder. On a 8, 6, oui. On va manger un petit peu. Donc on va manger un petit peu de ça. Je sais, c'est quoi ça? Des haricots en conserve. Hein. Pas cuit. Ça va péter dans les chaumières. Et on est pas mal. Il y a juste l'eau. Si on regarde. Voilà, c'est en train de monter. La petite touche G pour voir un petit peu notre équipement, les talents. Et c'est là que j'ai vu qu'on avait des points à se distribuer dans des trucs classiques, hein, santé, endurance, force, furtivité. Donc, mais combien, je ne sais pas. Je ne sais pas combien on en a. Talent 1, je pense que c'est ça. J'en ai encore un, donc j'en ai mis un dans force sans faire exprès et je peux pas changer. Donc, je pense pouvoir. Furtivité, ouais, pourquoi pas. Je sais pas. L'endurance, ouais, l'endurance, c'est important. Voilà, talent 0, c'est bien ce qui me semblait. Ok, ça c'est cool. Une petite gestion de soi-même. Donc, bah, avant de continuer à la prochaine, au prochain arrêt. Pour voir un peu ce qui s'y passe et bien sûr faire des. J'espère que c'est pas trop redondant et construire un petit peu sur notre train, c'est un peu le but, et chercher du carburant aussi, hein, surtout. Pourquoi il n'avance pas? Ah oui, le train. Chercher du carburant pour. Parce que là, on va être à court bientôt de carburant, je pense. 187, voilà, bon, ça va 108. Sachant que j'ai ramassé un petit bidon, hein, voilà, j'ai toujours. Mon train qui est fait à l'arrache. Voilà, comme ça. J'arrive directement et pas faire le tour de la loco. Bien. Oui, j'ai dit que je déposais, mince. Mon plumard et tout et tout. Ah, je peux monter sur plumard. Donc on redépose ça. On redépose. Ouais, la bouteille d'eau. Je pense que je vais en trouver dans les maisons et tout ça. Cool. Batte de baseball, on verra si. Je dois en reconstruire une autre. Alors, qu'avons-nous là? Une petite maison. Il faut faire gaffe, on peut avoir des surprises de zombies qui sont cachés dedans, ou coincés dedans plutôt. Hop, voilà, on va faire ça. Oui. Ouh, regarde le petit gros là-bas. Oh putain. Ils ont vite fait de me mettre une claque quand même. Hein. Là je vois un big. On va voir ce qui se passera. Salut. Il m'a vu de loin lui quand même. En deux coups ils sont morts, ça c'est appréciable. Il y en a un qui fait sa petite cueillette là-bas. Le gros, ouais, je crois que ça va être avec la grenade. Par contre, c'est pas facile à savoir la distance. À peu près là, je pense. Merde, je la lance ici. Ah ben ça, c'est ce qui s'appelle louper. En beauté.
Bon, bah on va voir ce qu'il va nous faire. Il va gerber, non? Ou... C'est quoi ça? Oh la vache! Ouh! Lève-toi, lève-toi! Ouf, la vache, la claque qu'il m'a mis! Oh là là! Bon, ça va. T'as vu la claque? Oh punaise! Il te met une claque, il t'éjecte à quelques mètres et tu peux plus bouger le temps qu'il arrive. Donc lui, je sais pas, il est inactif. Voilà. Lui, il veut rentrer. Eh ben, je vais pas l'aider, hein. Bon, super. Ok. Allez, on ramasse ce qu'il y a et puis et puis on va vite continuer parce que c'est rapide, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. On arrive où? Ici, salle de bain. On se voit même pas dans le miroir. Mais... C'est pas qui fait le chier là. Ah merde. Oh, putain, genre... Comment je me fais laminer là? Alors, ça c'est cassé, je vais aller le réparer. Et comme ça, je vais déposer mes objets pour faire à la suite. Je pense qu'on va se faire un petit time-lapse, hein. Ça sert à rien de visionner. Je voudrais bien essayer de réparer ça. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai refait une batte de baseball. J'ai pas trouvé comment réparer par contre. Je sais pas s'il y a un moyen ou pas. Oula, je n'ai pas vu arriver. On verra si je trouve comment le faire, parce que là j'ai pas trouvé comment réparer. Bien ce que l'outil continue, j'adore. Complètement défoncé. On a un là, si. C'est un petit peu à la ramasse, hein. L'IA. J'ai l'impression. Je sais pas si c'était voulu qu'ils réagissent comme ça, mais je sais pas. C'est un peu bizarre. Voilà, alors on va ouvrir. J'espère qu'il fait chier le monde là. Yes, level up! Donc ça veut dire quoi level up? Ça veut dire que j'ai un point de talent. Et je pense que je vais peut-être faire la force. L'endurance, c'est bien. C'est bien de pouvoir courir et être tranquille. Ah, j'ai vu que les chaussures, elles s'usent aussi. Ouf! D'accord. On verra ça par la suite. J'ai encore assez pour porter. D'ailleurs, 44 kilos, j'étais limité à 40. Je crois que c'est la force qui me permet de porter plus. Je pense, hein. Je suis pas certain. Force, chaque niveau augmente le poids. Bah voilà, de 20. Donc la force est importante aussi, hein. Ouais. Ok. Il faudra que la prochaine fois j'augmenterai, mais. Voilà, on ramasse tout.
Tac, tac, hop, voilà. Je suis à 28 kilos, ça va, je suis bien. Ok, ici encore une étagère et c'est tout. Bien, on peut sortir là? Non, c'est bloqué. On fait le tour. Non, ah, oh, j'ai eu peur. Ça veut dire quoi qu'il va être l'heure? 15h, non, ça va encore. Allez, on continue. Les petites recherches. Voilà, il y a plus d'endurance, hein, on le sent, c'est quand même pratique. Comment ça va vite? Hop, je regarde même pas ce que je récupère, hein, je verrai tout ça après, c'est pas. Ouais, c'est pas primordial. Voilà, donc là j'ai construit une armoire. Et c'est rien à voir, c'est des armoires qu'il faut faire. Hein. Regardez, là on est sur du 50 kilos, et là on est à 240 kilos, donc là ouais, ça c'est top. Allez, je mets tout, pratiquement. Hop, j'ai besoin de rien, du bandage au pire. Hein. Mais j'aimerais porter vraiment le maximum. Et de toute façon, je vais en trouver sur la route. Allez, à zéro. J'ai rien de particulier à porter. À la limite, je vais tout transférer de l'autre côté quand j'aurai un petit peu de temps et on verra. Si par contre, je voudrais boire une petite boisson énergétique, histoire de. Voilà. Je vais la garder d'ailleurs. Ça me permet de courir plus vite et d'aller à l'endroit prévu. Allez, on se retrouve là-bas. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Enfin, si je peux y aller, oui, je peux, parce que comme on peut pas sauter, mais au pire, je peux nager. Ok, la petite maison du pêcheur. Je pense qu'il y a des choses qui devraient être sympas là-dedans, non? Et à noter, j'ai pas trop d'essence encore, hein. Ça, par contre, c'est inquiétant parce que. C'est que ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh là là, ça a alerté tout le monde là. C'était piégé! Oh délire! C'est quoi cette merde? Ils arrivent comme des dératés là. Allez, ça c'est fait. Bah ouais, venez, ça va me faire de l'expérience. Mais punaise! Ah, ça c'est rigolo ça. Oula, par contre, je suis passé. Merde. Ah! Ah! C'est pas une bonne idée. Merde. Ok, ça va. Ah, il y a des pièges comme ça alors. Et j'ai récupéré un flingue? Mais oui! Eh, c'est pas bon ça. Alors, R pour charger. Non, moi j'ai des balles, hein. Ah, oh, c'est top. Ah, je peux pas viser. D'accord. Je peux pas viser. On est d'accord, hein? Non. Un camarade. C'est quoi ça? Ça fait quoi en dégâts, d'ailleurs? Ça fait 15 de dégâts. Et, ah, c'est pas marqué. Les balles, peut-être? 10? Ou 48 pour fusil de chasse, donc c'est ça. 10? Ouais, bon. Plus facile à. Alors j'ai ouvert ça. Ah, warning explosif. J'ai l'impression que c'est ça qui. Ça, j'ai fait. Oh, les salauds, c'est piégé, dis donc. Bon, on verra après pour l'arme. Hein. J'ai pas usé mes balles parce que je sais pas. Oh, à quel niveau. Est-ce que je peux nager? J'ai pas envie d'essayer en fait. Ça n'a pas l'air comme ça. Alors ça, je déteste les. Regarde comment c'est pointu, truc pareil. Tu peux adoucir un peu quand même les. La mettre de terre, quoi. Mais bon, je pense que c'est l'esprit qui est comme ça. Hein. L'esprit du jeu. Ah, oh, t'es où toi? Je t'ai pas vu. T'es caché là? Eh, mais au fait. On essaye pour voir. Ça, c'est des bidons explosifs, on est d'accord. Bah comme ça, on va essayer l'arme. Je vais voir ça. Ah non. Si? Oh! Mais j'étais loin pourtant! Merde!
Ok. La dernière sauvegarde d'autosave. Ouais, c'est celle-là. Hein. Il y a quoi, une minute à peine? Oh, le délire! C'est l'explosion est vraiment forte, si je comprends bien. Oh merde, on va commencer. Bon, voilà, j'ai tué tout le monde. Ok, c'est vide, mais le piège a recommencé en fait. Je sais pas si je peux aller dans l'eau. Je suis pas sûr, hein. Si? Ah oui, je peux nager. Ah, c'est cool. Ah, il faut essayer, hein. Donc, par contre, la maison, là, donc, il faut que je la refasse. Alors, on va la refaire. Par contre, attends, l'explosion a fait voir. Ouh, je me casse. Oh la vache. Allez, quand même. Ouh là, ça lag. Ouh. Le feu, il aime pas ça. Oh oh oh. Oula. Ah, c'est cool. Hop, on recharge. Génial. J'aime bien. Allez, on continue. Et des barils explosifs, il y en a partout. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont à mettre des barils comme ça partout dans cette ville. C'est assez particulier. Ok, une petite boisson énergétique, il m'en reste une, je vais la garder. Est-ce que j'ai faim, j'ai soif? Non, pas encore. Je suis bien là, je suis très très bien. Allez, on continue tout ça. Je pense que je vais pas tarder à monter de niveau. Et là, je vais augmenter l'endurance. Ah, un truc de poisson. De toute façon, s'il y en a dedans, je pense qu'il est plus frais. Hein. Oui. Là, non. On va déposer tout ça. Voilà. Ah, oh, tiens, le bidon, je l'ai gardé, par contre. Vide. D'accord. On va voir. Et là, bah, j'ai récupéré ce que j'ai mis hein, tout à l'heure. Je vais laisser la note là-dedans. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est... Et voilà, on met tout ici. Voilà, là on est bien, on est encore, oh, on est loin encore. Oh, c'est génial. Ça, j'apprécie, on peut même marquer quelque chose. Ça, c'est cool pour savoir ce qu'il y a dedans. Hein? Voilà, c'est le bordel. Alors, eh ben, on va continuer au prochain. J'ai pas envie de développer encore l'habillage du train, je pense pas que ça soit nécessaire. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écouter de la musique, d'accord. Un fer à souder, un baril de charbon, pourquoi faire? Je sais pas, une cheminée, ok. Un établi d'ingénieur. Oh, ça par contre, ça serait intéressant. Par contre, il faut faire un fer à souder. Je dis ça serait intéressant parce que je pense qu'on peut développer à construire autre chose. On peut vraiment s'aménager un train pick-up. Un fer à souder. Moi, ce qui aurait été bien, c'est qu'il nous met ce qu'on a besoin à côté. Donc, par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire l'établi pour voir ce qu'il faut, qu'est-ce que ça veut nous faire, tu vois. Ouais, on peut, je sais pas si. Lit classique avec compartiment à bagages. pour mettre des trucs sous le lit. Ouais, un truc d'atelier d'ingénierie pour voir ce qu'il nous propose de plus. Écoute, on va avancer et on va aller au prochain, hein. D'accord? Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et on y va. Est-ce que je gagne des points si je l'écrase? Un peu peut-être. Ah, j'ai plus de balles. Mais j'en ai plein dans mon casier.
Ok, donc on va faire un fer à souder. Il fallait quoi pour faire le fer à souder? Je me rappelle plus. Après, je sais même pas où je vais arriver, donc je le laisse aller, hein. Fer à souder, fer à souder. C'est lui. Merde, voilà. Donc il faut un moteur. Ok, bois, fer et des bidons. Moteur, bois, fer, bidon. Alors, moteur, bois, fer, bidon. Moteur. Bois. Bidon. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Oula, j'ai failli tomber. Oh, oulala. Si jamais il tombe, en fait, je suis obligé d'attendre qu'il ait plus de carburant et de courir, je pense. Je le vois comme ça, le truc. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce truc? C'était où? Un fourneau à fusion de métaux. Wow. Un réfrigérateur. Ah voilà. Il faut 5, 5, 6. Ok. 5, 5, 6. Alors. 5. 5. Et 6. C'est génial. Facile à utiliser le truc. Voilà. Et tabine ingénieur. Passé à la catégorie supérieure, vous pouvez désormais concevoir des mécanismes électroniques et robotiques. Wow. Rien que ça. Hop. Oula. Ah, ça fait peur. Ben voilà, on va mettre là. Hop. On va construire. Mauvais outil. Ah bon? Et c'est fermé, j'ai l'impression. Oui, ça s'ouvre. Ok, impeccable, dis donc. Man, Bob, damn Yes. it. I hope Bon. you two got out before the J'espère, zombies attends, au arrived. revoir à nouveau. J'espère que vous avez pu quitter la ville avant que les zombies arrivent. Hein. Ça, il y a une radio, je sais pas du tout à quoi elle sert encore. Notez le carburant 49. Hein. Je crois que c'est ici que j'en trouve, voilà, j'en trouverai jamais parce que je vais tomber en panne. Par contre, je vais me soigner, prendre tout ce qu'il faut et blablabla. Voilà, allez, jetons un coup d'œil sur ce qui y a par ici. Ok, on a toujours les mêmes, pas de soucis là-dessus. Ce qu'il faut que je trouve, c'est des résistances de chauffage pour construire le chaudron pour faire fondre et faire des lingots. Donc bon. Non, moi je devrais trouver tout ça par ici, There's hein. a gas station nearby my next stop. Il y a une My station fuel's d'essence running à out. la gare et I je vais être à court definitely de need to carburant. Je dois refuel. absolument faire le plein. Bah oui, je sais. Mais c'est quoi ça? Retirer l'arme pour prendre l'objet. Oh. Fuel. Ah, d'accord. Il est où mon truc? Il est pas loin normalement, non? Si? Ah, j'étais trop loin, faut que je recule. Ah, c'est cool. Ok, bah on va aller faire le plein. Par contre, je suis un peu trop loin. Alors, on va reculer un petit peu. Marche arrière, on met en route. Mon tuyau, il est par ici. Là, c'est bon. Pense qu'on est bien. Je peux pas descendre pour savoir. Ah, c'est peut-être là. Je sais pas. Ah putain, faut que je fasse le tour, c'est galère. Franchement, la fonction de sauter, c'est pas compliqué à mettre en place. Ah merde, il est là le bouchon d'essence. Ah, je peux peut-être que je peux retirer l'arme pour prendre l'objet. Ramasser. Et je peux juste fermer. Merde. Youl, ce pli désactivé. Coller, fermer. Bordel de merde. Faut que j'avance un petit poil. Comme si c'était évident.
C'est bon là? Voilà, bon. Hein? Pourquoi je peux pas faire le plein? Désactiver. On est à 27 kilos. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh là là, tout ce qu'il y a là. Mais c'est une décharge ici. Oh. Je crois qu'il a réussi à casser. Il est où? Et si on faisait un peu de tir, les amis? Ah, voilà. Oula. Oh, l'enchaînement, toi. Par contre, ça n'est... Ah, le blabla. Je préfère s'occuper de la porte. Moi, ça me va. Hein. Ok, où est-ce qu'il y a encore des petits tonneaux à tuer? Ici. Ah bah tiens, il joue avec lui. En espérant que ça me fasse des points quand même. Ah, c'est bon, il est mort. Super ça. Par ici, il n'y a rien, il y a juste un lit. Hop. Oh, il tombe. Là-bas, est-ce que tu crois que je peux viser si loin là-bas? Non. Si. Oh, joli. Oh, l'autre, les bouts, les morceaux qui volent. Un pec. Là-bas, on a une espèce de foufou là. Je vais peut-être l'appeler. Voilà, elle est bien, non? Oh, je le vise bien. Je vois le sang qui gicle de la peau. C'est pas d'où que ça vient. Je vais le laisser parce que je vais garder mes balles quand même. Ouais, bah c'est bon, allez. Je descends pas, je vais faire le tour parce que pas descendre dans l'arène quand même. Et je vais poser mes. Tout ce que j'ai récupéré, parce que là, c'est bien, j'ai tout à côté. Oh, c'est génial. Hop. Voilà. On boit un coup, rien du tout. Ouais, je l'ai gardé au cas où. On continue avec la batte et on va directement là-bas. Ah, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre, mais on est ailleurs là. Ah, une carte électronique. C'est la première fois que j'en trouve une, je crois. Ah, comme quoi ça a son importance. Ah, regarde, c'est fermé. Les amis, je crois que c'est ici qu'on va devoir activer pour la pompe à essence. Je n'ai bien peur. J'arrive où là? Oui, j'arrive bien. J'ai posé mon. Attends. Ah, oui, d'accord. J'étais juste un peu perdu. Voilà. Tac, 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 tac. Ah, il y avait une note. Peut-être lire la note quand même, au moins. Est-ce que c'était ça? La clé du local. Ah bah ben voilà. Tu crois que c'est la même? Non, je pense pas. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Salut Bob, si tu dois allumer le courant de la station-service, viens chez moi, j'ai la clé. Juste, je pense pas, hein, bien sûr. Mais par curiosité. Ça serait vraiment le délire si c'était la même clé. On est d'accord. Ok, allez, on se casse. On va chercher cette clé pour trouver de l'essence. On peut toujours pas tout, sauter, on est d'accord. Ok, on va les appeler, puis je ferai bien cramer tout ça là. Salut tout le monde. Ils arrivent. Oh, j'ai pris cher. Yes.
Bon, il y a tout à fouiller, hein. Allez, on se retrouve après parce que là. Pas vide, je suis à fond. Voilà, je suis à fond. Et il y a quoi à prendre? J'ai une clé. Ah, oh, mais je l'ai trouvée. Ouh! Eh ben, allez, on se casse. Ouah, ça, j'en ai plein. Il y a quoi là-dedans? Ok, une petite boisson énergétique, tiens, je vais en boire une. Allez, on va ouvrir ça. Super. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Alors, pas de piège. Electric power off. Ah, ben voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai mis. Oh, tiens, j'avais pas fait une valise. Pépère, et puis on va se barrer. Hop. En 1930, c'est tout ce que j'ai, non? Collé. Collé? Yes! Ah, c'est le top, ça. Est-ce que je peux remplir les barils? Je ne sais pas. On va laisser faire le plein. Là, ça envoie la jauge monter. Ah bah c'est bon, on va tout prendre. Il y a 3200 en capacité. Ouais. Ah, ça met son petit temps quand même, hein. La radio, je sais toujours pas à quoi elle sert en fait. Et ça, cet interrupteur, c'est pourquoi? Ah, il y a une lampe derrière, d'accord. Quand c'est allumé, c'est éteint. Ici, quand c'est allumé, c'est éteint. Ouais, ok. Oh, pépère, allez, vas-y, tranquille. Bon, ça prend son temps, hein. Allez, le temps que ça se fasse, je vais faire une autre armoire, je suis plein. Bon, les amis, je viens de m'apercevoir que, pendant que c'est encore en train de se remplir, qu'en fin de compte, je peux construire tout ça. Il fallait prendre la clé à molette. Non, mais je te jure, je l'ai laissé dans le placard. Oh là là, ce travail. J'aurais pu faire des constructions déjà plus élaborées. Ah là là. Génial. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Un établi d'ingénieur, un moteur électrique, du chauffage. Bah tiens, j'en avais besoin. Un compresseur, un sac. Oh! Un sac en tissu pour dispositif de rangement. Pour robot? Un dispositif de rangement pour robot? Fait d'un sac pour robot? Quel robot? Un bagage de cuir que je peux porter ou? Et là-dessus, on va pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Un baril à charbon. On fera des charbons. Il me faut un truc à fusion pour faire des lingots. Et je l'ai vu, il est ici, donc il me faut faire. Voilà, il me faut un. Il me faut. Attends, une clé à molette. C'est la même que j'ai là, non? Ah non, ça c'est un truc d'assemblage. C'est différent. Pour faire fondre, il me faut ça. Et pourquoi j'avais besoin d'un fer à souder, parce que je peux en faire un là. Je vais le faire, mais je m'en rappelle plus c'était pourquoi. Attends, on va regarder si je peux arrêter cette sirène, parce que je pense qu'il a fini. Oh, quel délice! Alors, il avait bien fini. Ouais, bon, je m'en fous. Il traîne par terre. Profiter au maximum de la journée. Voilà. Et il est 6 heures. Donc, on est bon. Allez, on se barre de là. Et on va regarder ce qui se trouve au prochain.
pas allumé. Ah, ici, oui. Ça n'use pas plus, hein. Il a pas des phares, lui, pour allumer devant. Non? Non. Il y a plein de trucs d'aiguillage, là. En espérant que je peux faire des godasses, et j'ai ce qu'il faut pour faire des godasses, parce que s'il faut faire du cuir, j'en ai pas beaucoup. Ok, on va faire ça, ça, on va faire ça, et ça, voilà. Allez, on va mettre ça bah, là-bas, hein. Voilà, à côté de tout ça, hop. Vraiment à l'arrache, quoi. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire des chaussures? Parce que j'ai trouvé un casque, soi-disant en passant, un casque donc qui me protège un petit peu plus. Et aussi, toi, un casque, mes chaussures sont mortes. Eh, regarde, j'ai un sac, en fait. J'ai l'impression que si je fais un autre sac, peut-être que je vais transporter un petit peu plus. Alors, sac de couchage, d'accord, c'est-à-dire qu'on peut dormir partout. Des baskets usées. D'accord. Putain, on peut pas faire grand-chose. Un sac, un simple sac à dos cousu par les conducteurs du groupe. Non, non, non. Une armure de pneus. Ça, ça peut être intéressant. Ah, bah si, tiens, des baskets, bottes de travail. Ils disent pas, non, en cuir. Voilà, bah il me faut du cuir. Sachant qu'on peut pas réparer en plus, c'est vraiment très curieux. Qu'on puisse pas réparer ça, quoi. Pourquoi je peux pas le réparer? Équipé, vitesse plus 5. C'est des bottes de travail. Donc les baskets seront un peu plus confortables. Il faudrait 3 de cuir. Ah, du cuir, j'en ai trouvé qu'une fois, je crois. Ah, j'en ai 4. Bah, c'est cool. Un peu de ferraille et du tissu, je crois. Ah, j'ai tout pris, allez hop. Oh la vache, combien? Oui, bah, c'est pas grave. Basket usé, voilà, tac. Oh, un casque de moto renforcé avec une lampe torche. Oh, c'est génial ça. Moi je veux ça. Il me faut un casque, je l'ai le casque. Voilà, super. Ah, la classe! Là, je pourrais me servir de la lampe torche et des... Ah ouais, c'est cool! Voilà, ça, ça me plaît. Alors, on va mettre les bottes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les bottes? Plus 10 de vitesse. Super. Ça, je prends. Ça, je prends. Il me reste plus que l'armure de cuir, mais j'ai plus de cuir. Malheureusement, il va falloir en chercher. Suicide. Ah ouais, je le vois tout de suite. Hein. Ça va plus vite. Alors, effectivement, ils sont... pas trompé dans la traduction, il y a bien un robot. Voilà, j'ai un petit message qui dit en espérant qu'il y a, voilà, il y a un robot, un compagnon. Hein, c'est un truc un peu... On va essayer, alors, prendre le robot. Oh! Waouh, 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 ça devient intéressant, ça. Un robot chien. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il faut y faire, là-dedans? Activer, désactiver... Mode. Attendre. Viens. Oh, le délire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Retirer l'arme pour prendre l'objet? Comment ça, retirer l'arme pour prendre l'objet? Retirer l'arme pour prendre... Non, mais il se gratte. Il me suit ou pas? Ah oui, il me suit. Mais c'est délire, ce truc! Mais qu'est-ce qu'on peut y faire là-dedans, là? Amélioration, il n'y a rien. Attaquer, passif, normal, agressif. Battre en retraite. D'accord. Attaque un ennemi. Attaque sur un ennemi, désactivé. Retraite, désactivé. Suivre l'opérateur, c'est moi. Ah, les batteries!
Mais c'est génial! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai une main là? On peut rajouter des choses dessus, j'ai l'impression. Donc on peut y faire un sac pour lui. Et comme ça, il va m'aider. Alors, sac, dispo pour un sac patchwork. Et... Oh, avec du cuir comme ça, j'en ai pas. Hein. Ça, je peux le faire. Il me faut juste deux et deux. Ben, je peux le faire. Mais est-ce qu'il peut me suivre sur le train? On va aller voir ça. Je suis pas sûr, hein. Ça serait incroyable. Ben, il est lent, hein, si je l'attends. Il va pas me suivre en courant derrière le train, quand même. Il va monter? Merde. En avant! Non, mais je pense que je peux le porter, non? Désactiver. Ramasser. Oh, le délire! Ok, on va le laisser tranquille, pépère, ici. Et on va pouvoir lui mettre. On va pouvoir lui faire un sac. C'est pas gagné cette histoire. Si moi j'accélère mes compétences pour que attendre un robot, c'est pas dans mon objectif. Alors où est-ce qu'on met ça? Ah là. Oh wow, mais je peux en faire quatre. D'accord. Sac 50 kilos. Donc il pourra, je sais pas si je peux mettre 4 sacs, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est intéressant. Pour robot, on peut faire autre chose pour le robot? Compresseur, je pense pas. Ça sera un plus gros truc. Non. Ah, c'est débrouille-toi, hein. Je sais pas ce qu'on peut faire avec, mais amélioration, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme amélioration? J'en ai strictement aucune idée. Eh ben, on va le faire fonctionner. Ouais. On va le faire fonctionner. Toujours pas fin de fois. Bon, voilà, j'ai pratiquement nettoyé cette zone avec mon petit robot qui me suit. Hein. J'ai mis ce qu'il faut dans le sac. Mais il est déjà plein, 50 kilos. Bah, ça va vite. Hein. Je sais pas c'est quoi, ce qui pèse lourd comme ça. Oui, il y a 51 bois, donc c'est normal. Je comprends. Est-ce qu'il va pouvoir venir avec moi ici? Ouais, il monte, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire par là? Ah, on se retrouve. Ouais. Est-ce qu'il va pas tomber? Je pense pas quand même. Attends, je vais pas lui dire de venir parce que ça, merde. Ça sert à rien. Ah, oh. Ah oui, c'est la porte que j'avais tout à l'heure. Qu'est-ce que je lui dis? Attends, je vais dire qu'il reste ici. Voilà. Bien d'attendre. Ça aurait été bien d'avoir une petite télécommande à distance. Je t'avouerai. Donc ici, il n'y a rien. Ah tiens, il reste. C'est bizarre. Est-ce que je dois aller récupérer un autre wagon? Mais par la locomotive, alors du coup. On va aller voir ça parce que... On devrait tourner logiquement. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue au centre de formation de la SNCF. Donc, oula, j'arrive vite par contre. doucement. Alors en fait, il y a un gros village. Hein, vous voyez là-bas, on ne voit pas, mais mon train, il est là, là-bas, là-bas. Donc il y avait un village juste à côté, je pense que c'est là qu'on va trouver des indices pour continuer notre aventure. Alors on va activer le robot en mode défense pour voir normal. On va voir ce qu'il va dire. Tir ciblé à la distance. Il tire apparemment. Non. Bon. Je sais pas si amélioration apparaît. On va voir. Hein. Merde, il est gros lui. Il attaque pas.
Il n'attaque pas le machin. Attaquer. Agressif. Je pense qu'il faut lui mettre des munitions ou un truc dans le genre, non? Faut pas lui mettre une tourelle à canon tournant quand même. Alors. Bon bah je fais le tour et puis on va. Oh! Fais le tour et puis je regarde s'il y avait quelque chose d'intéressant.